Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Medal of Honor en première ligne. Et donc nous allons recommencer là où on est arrêté. Donc Nidaigle pour le Horten. J'aime bien, ça fait une petite rime. Donc à tuer dans l'œuf. Donc la dernière fois on avait fini le train et maintenant on a ça. Vous recevez ce message, Patterson. Vous devez approcher de votre objectif final. À l'évidence, nous avons sous-estimé ce Sturmgeist. J'ai passé un savon aux renseignements parce que leurs infos ont été pour le moins pauvres. Ça m'inquiète. S'il y en a d'autres comme lui, notre tâche sera sacrément plus compliquée. Nous estimons que vous êtes proche d'un atelier de production d'avions top secret. Nos agents pensent qu'il doit être caché dans une mine de fer abandonnée. Mais nous ignorons où précisément. C'est donc à vous de jouer. Trouvez la base et pénétrez dedans par n'importe quel moyen. À ce moment-là, contactez-nous par radio avec les coordonnées exactes. Tant que vous y êtes, essayez d'en apprendre plus sur les technologies développées par les nazis. Tâchez de trouver quelque chose sur leur nouveau chasseur à réaction, nom de code HO9. Si cet avion arrive un jour à décoller, nous risquons de perdre la suprématie aérienne. Et ça pourrait nous coûter très cher. Pour empêcher cela, le chef tient en réserve une escadrille de bombardiers lourds afin de détruire ces installations. Vous devrez vous dépêcher de sortir de là une fois que vous aurez accompli votre mission. Nous attendrons votre message, Patterson. Mais si à l'aube nous n'avons toujours rien reçu, nous devons considérer que vous avez échoué et envoyer nos bombardiers sur l'emplacement le plus probable. Beaucoup de questions sans réponse et de secrets à découvrir. Vos états de service montrent que vous êtes homme de la situation. J'espère avoir de vos nouvelles rapidement. Bonne chance. Et on va aller péter la gueule aux petits Allemands pour aller chercher leurs petits avions à réaction. Ça va être sympathique. À tuer dans l'œuf, près de Gotha. Bravo pour vos filatures sur Sturmgeist, Patterson. Vous avez infiltré l'une des nombreuses usines d'aéronefs qui existent en Allemagne. Celle-ci a été construite dans les collines qui dominent Gotha. Si j'en crois les renseignements, nous sommes en présence d'une usine secrète axée sur la recherche et la production. Les Allemands l'ont bâtie au sein d'une vaste dédale de grottes et du tunnel jadis voué à l'exploitation minière. Y pénétrer n'a pas été une mince affaire, d'autant que l'étroitesse des conduits d'aération vous a contraint à abandonner votre fidèle compagnon. Ça va être mon fusil, ça? Ou moi. Et il n'y a cependant pas d'inquiétude à avoir. L'un de nos amis scientifiques qui travaille ici même nous a appris que les Allemands avaient inversé le mode de fabrication de certaines de nos armes. À ce sujet, si vous réussissez à gagner la salle de stockage après les baraquements, vous trouverez un de, ou deux nouveaux meilleurs amis. Ouh, ça va être intéressant ça. Notre taupe vous a laissé un appareil photo qu'il a provisoirement caché dans ses quartiers. Trouvez-le et photographiez le moindre croquis d'avion, le moindre fiche technique qu'il vous sera donné de trouver. Vous devez également détruire tout aéronef et autre matériel sur lequel vous tomberez. La partie est relevée par Tasson. Sturmgeist a probablement déjà alerté l'usine. J'ai trop de mal aujourd'hui. Soyez prudent, vous finirez cette mission en un seul morceau. On va voir ça. Parce que voilà. Une chance, je vais mourir. Alors. Eh ben, j'ai que le Walter. Oh! Attends, je vais te repérer. Eh bien là, petit con. Dès le début, je suis repéré. Bon, je descends en bas. Je suis que là. On dit beaucoup de balles déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose? J'aimerais bien trouver des munitions. Ce serait plutôt sympathique. Ok. Bon. Bon, déjà, il y a ces munitions à lui là. Et j'ai plus que deux chargeurs. Hein. Commence bien cette mission. Alors, utilisez un interrupteur dans le bureau pour ouvrir la porte du garage. Prendre les armes dans la salle des archives. Ok, donc c'est normal que j'ai pratiquement pas d'armes. Alors on va ouvrir le garage. Ah, je crois qu'il y a du monde derrière. Elle est meurt. Une balle.
T'es pas deux? Oula, y'a du monde. On a des balles, demande des balles. Y'a rien au fond? Oh, il était prêt à partir, les gros. Oula, oulala, ouhouhou, oh, c'est la fête. Alors, un sniper, une mitraillette et un bazooka. Ah, mais c'est des armes américaines en plus qu'ils avaient piqué, quoi. Sauval, là, c'est une marque comme le monde. Dortoir. On est dormir. Ouh, des mâles. Allez, allez. C'est quoi ça? Ah, d'accord. J'ai deux munitions de barre, donc j'aimerais bien avoir d'autres trucs. Un peu de vie. Des munitions. Je crois que je vais avoir pas mal de munitions de pistolet. Qu'est-ce que c'est? Appareil photo! Faut même de dire qu'ils ouvrent. Ah ah, ah ah. Vite, vite, vite. Non, merde. La charger parce que je sens qu'il y a quelqu'un derrière, j'ai cru l'entendre. Putain, il y en a un sort de couteau. Putain, les couteaux, ouais. Putain, le meilleur lanceur de couteau de toute ma vie que j'ai eu. En même temps, j'en ai jamais vu d'autres. Ah oui, du pain. On peut manger du vin. Du pain, du pain, du pain. Allez, allez, allez. Voilà, là, c'est la mission où tout, faut prendre tout. Tout ce qu'on te donne, il faut le prendre. Là. Du pain, du pain, du pain. Oh, je suis passé dans le verre. Oh mon dieu. Des presses purées. Oui, faut pas que j'oublie, j'ai des grenades. Plus de pain, plus de pain. Oui, il y a du pain. La soupe s'il vous plaît, la soupe. Alors, provoquer un accident pour traverser la soufflerie. Fouiller tous les labos et infirmeries pour trouver les plans. Ok, tiens, je reviens. Non. Bon, je pense que les photos vont se prendre automatiquement puisque je peux. Ça les donne. Non, j'ai n'importe quoi. Rose gang, je sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas travaillé l'allemand, donc excusez-moi pour l'allemand. Rose gang. Aïe. Oui, on est derrière. Ça tuerait tous les côtés, mais eux, ils s'inquiètent pas. Que eux c'est des hommes, eux ils savent ce qu'ils font. Alors ça c'est l'accident qu'il faut que je provoque. Alors je vais voir en même temps si je peux pas prendre des photos, des plans comme ça. Photo, photo. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Par où faut que j'aille? Ça se fouille dans tous les labos. Je vais partir par là. Y'a rien. J'ai plus sûr qu'il y arrive partout.
Ah ouais. Sympathique. Ah, leur avion il est nul, hein. Il marche pas leur avion. Je leur dire, c'est une mauvaise matos. Ouais. Ouais, t'as les ventilos, ouais. Non. J'écoute s'il n'y a pas du monde aussi qui arrive. Pas tout seul, attends. Ah, il y a encore quelqu'un. C'est un bugué. Bon, c'était pas juste un petit pistolet comme ça qu'il avait dans les mains quand même. Bon, il avait deux grenades, il aurait pu les utiliser. Voilà, le truc c'est fait. Maintenant, faut fouiller les labos. Pas parce que t'es un officier que t'as droit à avoir plus de balles contre toi. Allez, dernier chargeur. Franchement, ça sent mauvais là. Il y a quelqu'un qui arrive. Si je vais plus loin, mais quoi? C'est pas une femme? Ah non, c'est... Ouh là là. Il monte par là. Les plans, les plans, les plans. Ouais, c'est pour les soldats, ça se voit. Ok, ça c'est fait. On va photographier les plans, mais oui. Ah. J'appuie comme un fou sur le carré pour comme ça je suis sûr d'avoir les plans. Là la photo, je pense qu'elle est ratée, franchement. Il y a pas quelqu'un dans la maison, enfin dans le bâtiment. Il y a du monde. Oh, j'avais pas vu ça. Oh. Intéressant. Je vais partir par là. Il y a combien de personnes? Cache mes balles, mais bon. Allez, il reste plus qu'une photo. Ça va être la plus chiante. Aïe. T'as pas le droit à avoir une mitraillette, toi. On veut me montrer tes jambes. Oula. Plan de l'OX machin. Et voilà, tous les plans ont été photographiés. Suivez les couloirs après l'infirmerie, se frayer un chemin sur les passerelles. Ok, donne-moi ça. Voilà, j'ai récupéré des balles de bas. Je vais les utiliser maintenant. Là, j'en viens. Voilà. C'est quand même plus facile la première partie, bien sûr. Ah, j'étais sûr. C'est des soudeurs. L'armée des soudeurs. Allez, ils sont où? Et ils sont où?
J'espère pas que c'est un vrai labyrinthe. Parce que moi je suis nul là-dedans. Hein. Il y a encore quelqu'un. Hein. Je vois pas ses tirs. C'est vous que j'ai pas laissé sortir. Je ressors. Et je vais utiliser mon sniper. Je sais pas si ça arrive à l'infini, mais là ça va être chiant s'il y en a tout le temps. Je pense pas qu'il y en a tout le temps quand même. Je pense pas, mais bon. Celui qui avait de la vie, voilà, hop. On prend le bar, on charge. Ah, mais il est en haut encore! Il est mort. Il y a encore de... C'est quoi ce bruitage? Ah, il y a un truc qui me bloquait. On va éviter de tuer avec ça. Ah, voilà. Ouais, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Mais ça a l'air d'être réapparition infinie, donc je passe à la pièce. À peu près. Là, il fabrique les avions. C'est pas où je passe? Vas-y, par où je passe? Ah, par là. Je suis vieux poème, moi. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui était par là. Tu me mettras pas une praline avant, avant que je parte. Actionnez le levier pour faire monter la pression jusqu'à ce que l'aiguille soit dans le rouge. Utilisez la centrale de commande au-dessus du moteur pour la faire démarrer. J'avais pas pu mourir avec toute la pression qu'il y avait dedans là. Non. Elle est vachement longue cette mission, je remarque. Enfin, j'ai l'impression que ça donne. Des munes, surtout de la vie, surtout de la vie. Elle a pas lancé une deuxième grenade? Oh, mais attends, mais j'ai des...
Des balles de Robao. On va lancer une petite grenade avant d'y aller. Quand même. Pas déconner. Ah, ça c'est bien. T'as pas de prototype de super-homme, un truc comme ça, on sait jamais. Hein. Oh, yopali, de la vie. Et des munitions, alors là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces bruitages? C'est quoi ces bruitages tout pourris? Vas-y, t'as un simple bouclier, tu vois. Ouais. Ah, c'est là le fourneau. D'accord. Ouhou, une double mort. Ouais, il arrive un accident, hein. Un de tomber. On va alimenter le feu. Eh hey, mais je suis dans le rouge les mecs. David s'il vous plaît. Non, je me suis pris une balle. Non. Putain, je sais plus qu'il a pas du son. Putain, c'est combien? Un chocolat. Je peux utiliser une bazooka. Putain. Mais je suis plus mis. Ouais. On doit pas être tombé là. Je les vois pas, ils sont trop loin. Putain, mais envoyez-moi l'armée là. Oh merde, je suis encore collé. Il me faut de la vie. Je ne voudrais pas qu'il devienne intelligent lui. Non, putain. Là-dedans, il n'y a rien à part des munitions. Oh non. Ah si. Bon, pour l'instant, c'est mieux. Là, on va prendre le sniper. Double kill. Oh, bah ils sont dans la lave. Ah bah ils ont disparu. Brûlé. Pouf. Plus rien. J'ai pas envie de me faire déglinguer par ceux qui sont en bas. Ah
On l'a fermé. Non, je crois que j'ai récupéré. Il faut que je récupère mon sniper. Parce que j'en ai avoir besoin. Là. Il n'y a pas un mec là? Ah, il faut que je descende encore d'un niveau. Là, il y a des gars qui vont arriver. Voilà. Hop, on se cache là. Ils font hyper mal. Ils jouent super bien, ton bot. Fortnite, c'est vrai qu'ils jouent bien, les bots, hein. Même moi j'ai du mal à le tirer. Il n'y a pas d'ambiguïté dans cette phrase. Allez. Hop. Hop, il lâche. Fonce. Voilà, un chargeur pour lui. Et un chargeur pour celui du dessus. Allez, 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 tu descends. Passer par le trou, éliminer tous les ennemis pour accéder à la mine. Ça, ça sent le prochain niveau, la mine, ça. Oh, oui, il y a la mine derrière. Ah, je suis bloqué contre un truc. D'accord. La brouette, vous pouvez pas te pousser? On va se mettre au sniper. Ah bah non, il n'y a plus de balles dans sniper. Ah, on se met au bazooka, moi. C'est vachement calme. J'aime pas quand c'est un petit peu plus moins calme. Oh! Et il y a des armes devant moi! Est-ce que ça veut dire que... Que la prochaine fois j'aurai les fusils qui étaient devant moi? Je crois que c'était un sniper. Or, est-ce que j'ai recommencé une deuxième fois? Pouf! Ouais. Ah bah dis donc. De toute façon, j'étais sûr que j'allais mourir, mais je pensais pas que c'était aussi long quand même cette mission. Deuxième partie, j'ai fait un peu plus rush, mais ça marche toujours mieux le rush à ce que je vois, parce que je suis parti avec beaucoup plus de vie. Ça m'a fait plaisir. En même temps, je savais un petit peu où étaient les ennemis. Donc, la prochaine fois, la carte sera Grismine. Oh. Alors, j'aurais pas fait mieux comme titre. Alors, pour le prochain épisode, Grismine. Est-ce que j'ai gagné une médaille? Est-ce qu'on. Non, je peux pas cliquer dessus pour savoir ce que ça veut dire. Ça, c'est un peu dommage. Tac, petite statistique. Ouais. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode et puis à la prochaine. Bye bye.